bien une journée de repos. Oui. Moi, tu vois, je commence à être vraiment détendue. Pas toi? Si, si. Claire, ça va? T'as un problème? Non, non. Bon, ben, puisque j'ai l'impression de te déranger, je vais aller en cuisine. Tu veux manger quelque chose de spécial à midi? Ce que tu veux. Attends, Claire. Tu peux me dire ce qui va pas, s'il te plaît? Mais rien! Pourquoi tu veux pas que ça aille? Pourquoi? Parce que ça fait 3 minutes que je te parle, que ça fait 3 minutes que tu me réponds pas oui, oui, non, non. Et que quand je te demande si je te dérange, tu ne me réponds même pas non, non. Non, non? Ah bon, tu m'as demandé si je te dérangeais? Oui, oui, oui. Tu t'en es même pas aperçu? Non, non. Alors, je repose ma question. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, je veux pas t'ennuyer avec ça. Mais vas-y, dis-moi. Bon. Regarde. Oui, je te regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas? Ben non. Ben là! Quoi? Mais tes lunettes! Là! Tu vois pas la petite ride, là? Là? Oui. Une toute petite ride de rien du tout. Oh, tu vas pas en faire un drame. Je vais pas en faire un drame. Et voilà, quand je te disais que c'était pas la peine que je t'en parle. Bon. Excuse-moi, Claire. Qu'est-ce qui va pas? T'as des problèmes? Mais oui, j'ai des problèmes. Mon problème, c'est que cette petite ride-là, eh ben, hier soir, elle n'y était pas. Ah bon? T'es sûre? Mais oui, j'en suis sûre. Sinon, je ferais pas cette tête-là. Ben écoute, je sais pas, moi. T'as sûrement dormi la tête contre l'oreiller. Et puis elle va partir, toute seule, comme une grande. Je peux t'assurer que je n'ai pas dormi contre l'oreiller. Je dors sur le dos, la tête coincée entre deux polochons. Non, cette petite ride-là, je te prie de croire qu'elle est là et pour de bon. Elle est là pour de bon, d'accord. Et après? Et après? Aujourd'hui, elle est là. Demain, il y en aura une nouvelle. Et dans un an, je serai ridée comme une vieille pomme. Oh, écoute, Claire, tu as quand même encore un petit peu de marge. Marge, oui. Ma tante Olga aussi, elle avait la marge quand ça a commencé. Et maintenant, si tu la voyais, la pauvre femme... Bon, bah écoute, c'est pas la peine de t'affoler. Va voir un dermato. Il y a des trucs formidables pour la peau, maintenant. Mais on les a tous essayés, ça marche pas, tu le sais bien. Non. J'ai plus qu'à manger ma pomme et à attendre ma faim. Oh non, Claire, non, écoute. Tu vas pas nous faire une déprime pour une petite ride de rien du tout au coin de l'œil que personne ne voit. Ça que personne ne voit, c'est toi qui le dis. Écoute, je t'assure, elle est carrément mais invisible. Ah, oh, puis donne-moi ça, tiens, arrête de te regarder. T'es sûre, elle se voit pas? Claire, je t'assure, tu es encore très très belle. D'ailleurs... Moi, si j'étais un homme, je ne te cache pas que... Tu dis ça pour me faire plaisir. Non, je te donne ma parole que c'est vrai. Tiens, tu vas encore mieux? Tu te souviens de mon chef de service, monsieur de la Fossette? Ah oui, le petit gros, là, que tu m'as présenté la semaine dernière. Ouais. Eh ben, tu sais quel âge il te donne? Non. 23 ans. 23 ans? Oh, c'est vrai, ça? Oui, je t'assure que c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, le lendemain matin, on en a reparlé au bureau. Et alors, quand je lui ai dit ton âge, il voulait même pas me croire. Tu lui as dit mon âge? Oui, enfin, c'est-à-dire que ça s'est glissé comme ça, bêtement, dans la conversation. Et... Oui, eh bien, je te serais reconnaissante d'oublier mon âge la prochaine fois que ça se glisse comme ça, bêtement, dans la conversation. Je suis désolée, Claire. Excuse-moi. Bon, c'est vrai? Elle me donnait vraiment 23 ans? Je te jure! Ça m'étonne pas. C'est vrai, les gens pensent toujours que j'ai beaucoup moins que mon âge. Ah, bah, tu vois! Ah, je sais pas ce que j'ai, moi, en ce moment, mais la moindre petite chose ridicule me déprime. Oh, allez, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, ça va passer. J'espère. Qu'est-ce qu'il y a? Là! Regarde! Au coin de l'œil, une petite ride. Moi, je l'avais pas hier. Oui. Salut, Marc. Ça va? Ouais, ça va, vous? Oula, qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, de toute façon, ça t'intéressera pas. Continue à regarder tes photos, tu changeras. Ok, Marc, avant que tu me dises que je n'ai pas de cœur, que les anglo-saxons sont dépourvus de sensibilité et que je n'en ai rien à faire de tes problèmes, j'insiste. Qu'est-ce que tu vois? Mais je te dis que j'ai rien. C'est vraiment cette manie que t'as à vouloir t'immiscer dans ma vie privée et savoir ce qui se passe dans ma tête. D'accord, d'accord, je ne dis plus rien. Bon, bah, je vais te le dire.
Parce que non, tu vas me poser des questions sans arrêt, jusqu'à ce que je te raconte tout. Hein. Tu me connais. Quoi? Je vis un drame. Et au moment où je vais tout raconter à mon meilleur ami, toi tu fais... En plus, c'est pas beau. Bon, Marc, t'as fini ton numéro? Tu vas me dire ce qui se passe? Mais c'est pas un numéro. Je suis quelqu'un de sensible, moi. Qui a des angoisses et qui a besoin de les confier à quelqu'un. Seulement, j'ai une pudeur naturelle qui m'empêche de tout raconter à n'importe qui. Alors je râle. Mais c'est ma manière à moi de compenser. Oui, ça, j'avais compris depuis longtemps, Marc. Évidemment, je me livre. Je dis ce qu'il y a de plus secret, au plus profond de moi-même. Mais monsieur Je Sais Tout avait déjà tout compris. Parce que tu peux être déprimant à la fin. Excuse-moi, Marc. Ça aussi, ça fait partie de ta pudeur naturelle? Non! Ça fait partie du fait que je commence à en avoir assez, que tu me parles comme un enfant attardé. Tu vois? Bon, écoute, moi aussi je commence à en avoir assez. Alors soit tu me donnes le mode d'emploi exact de la manière dont je dois te parler, soit tu te tais, tu montes dans ta chambre et tu me laisses regarder mes photos. Ben voilà. Comment j'ai envie que tu me parles. Manière franche, en adulte. J'ai envie de sentir que la personne qui est en face de moi me prend pas pour un crétin ou un débile. Tout le dit. Ça servira à rien. Je vais te le dire quand même. Ouf. Quel âge tu me donnes? Mais Marc, je connais ton âge. Je sais que tu connais mon âge. Mais d'après toi, quel âge tu me donnes? Ok, je sais pas. Je te donne ton âge. Hein, peut-être 2 ou 3 ans de moins. 2 ou 3 ans ou rien, c'est pareil. Ok, Marc. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Magali? Comment tu sais que c'est Magali? Ben, pour que tu sois dans cet état-là, hein, et que tu me parles de ton âge comme ça, ça ne peut être que Magali qui t'a fait une réflexion. Alors, hein, tu vas me le dire tout de suite, on va gagner du temps. Elle t'a donné 40, 42 ans? 45. À cause des rides au coin des yeux. Non, franchement, c'est pas gentil ce que t'as fait là, Magali. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas dramatique. Enfin, tu te rends pas compte à quel point un homme peut être sensible. Non, j'ai vu la tête de Marc. Non, tu lui as fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Mais il est trop collant. Mais oui, mais on le sait. C'est vrai qu'il a passé toute la matinée dans la piscine à t'éclabousser. Mais c'était pour te montrer qu'il nageait bien, c'est tout. Il a insisté lourdement pour t'essuyer. C'est vrai. Mais c'était pas une raison pour te fâcher. T'aurais pu lui faire comprendre que t'étais pas d'accord autrement, non? C'est vrai, il a forcé un petit peu ta porte dans la cabine UV. Quand t'étais toute nue, c'est vrai. Mais tu le connais, il est joueur. Non, de toute façon, c'était pas une raison pour lui dire que tu lui donnais 45 ans, écoute. Eh ben, n'empêche que ça a marché. Maintenant, il me laisse tranquille. Mais bien sûr qu'il te laisse tranquille. Tu lui as scié le moral. Moi, j'ai cru qu'il allait pleurer. Non, Magali, non. Non, c'est pas gentil ce que t'as fait là. Bon, d'accord, je sais, c'est pas gentil. Eh ben, tant pis pour lui. Tu vois, Magali, c'est à cause de ça que j'ai des problèmes avec les filles. Quelquefois, vous me manquez de cœur. Mais où tu vas? Excuse-moi, j'ai du travail. Salut. Salut, Gégé. Salut. Salut, les filles. Dis donc, vous en avez mis un temps? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si, si, ça va. Ouais, c'est pas grave. Je vais vous faire rire. Si vous saviez comment j'ai réussi à me débarrasser de Marc. Ah bon? Qu'est-ce que tu lui as dit cette fois? Eh ben, la même chose, mais en pire. C'est vrai, il arrêtait pas de me coller, alors... Et vous savez comment je l'ai calmé? Non, mais tu vas nous le dire. Eh ben, je lui ai dit qu'il faisait à peu près 45 ans, à cause de ses petites rides autour des yeux. Vous auriez vu sa tête? C'est drôle, non? Non, pas du tout. Vraiment pas. Marc, c'est très important. Si Madame Vimarinet appelle,
Tu lui dis que je m'occupe de sa séance, ok? Ouais. Et il y a du liquide dans le deuxième tiroir, là-haut. Mais Marc, qu'est-ce que c'est que ça? Ça quoi? C'est ta figure. Ça? Mais c'est un masque anti-ride. Ça se voit, non? Un masque anti-ride. Ben oui. Toi, personne t'a donné 45 ans. Moi, si. Mais Marc, c'est pas fini, cette histoire? Non. Parce que les rides sont toujours là. Enfin, sous le masque. Marc, tu as passé toute la matinée à appeler nos amis pour leur demander quel âge tu faisais. Elles ont toutes répondu que tu faisais la trentaine. Mais tu continues à t'obséder parce que Magali t'a dit... Oui, je m'obsède. Parce que la seule opinion qui compte pour moi, c'est celle de Magali. Bon, puis arrête de me faire parler parce que ça me tend la peau. Ça... C'est pas bien pour le masque. D'accord. Bah, va ouvrir. Tu vois bien que je peux pas bouger. Bonjour, Daniel. Salut. Marc est là? Ah, OK. Alors, Marc, ça marche? J'ai suivi exactement le mode d'emploi. Super. T'as pas oublié de le faire chauffer avant d'étaler? C'est super important. Mais je te dis que j'ai suivi la notice à la lettre. Bon, impeccable, impeccable. T'as vu combien de temps tu l'as? Une petite heure. Petite heure? Tu vas le conserver encore une demi-heure. Après, je te le retire. En attendant, je vais te masser. Ça fait pénétrer. Me masser? Mais c'est pas marqué sur la notice, ça. T'inquiète pas, Marc. C'est le truc d'une copine à moi esthéticienne. T'inquiète pas, tu vois, ça va multiplier par deux les résultats. Une copine à toi? En tout cas, c'est pas marqué sur la notice. Voilà. Mais c'est pour pas freiner les ventes, ça. Je t'explique. Les femmes qui mettent ça, elles n'ont pas forcément quelqu'un pour leur masser le visage en même temps. Tu comprends? Alors si sur la notice, elles voyaient masser en même temps, elles achèteraient un autre produit, là où c'est pas indiqué. C'est un truc du professionnel, ça, c'est tout. Dis donc, Gérard, ça, c'est une stratégie de marketing très élaborée, ça. Ah, mais tu sais, dans ce labo, c'est des hyper pros, c'est pas des charlots. Ah, ouais? Oui. Et ça marche? Si, ça marche. Mais c'est miraculeux, je te dis. De toute façon, au prix que ça coûte, ce serait malheureux. J'espère que t'as raison. Daniel, tu peux aller chercher l'argent dans ta chambre? Parce que c'est Gérard qui m'a avancé pour les produits. Oui, d'accord. Mais arrête de bouger, écoute, on dirait un vrai bébé. Mais ça me chatouille. Bah oui, mais... Allez, c'est parti. Voilà, tête en arrière, tu te détends. Tu te détends. Voilà. Mais te contracte pas, écoute. Tiens, voilà. Merci. Ok, je me sauve. À bientôt, Gérard. Salut, Daniel. Il y a que 2000 francs. Oui, alors, c'est pas assez? Mais mon Daniel, excuse-moi de te dire ça, mais tu sais, un traitement comme ça, pour une semaine, ça vaut 3600 francs. Bon, d'accord. Je passerai par ma banque tout à l'heure et je te rapporterai l'argent ce soir, Gérard, ok? T'inquiète pas, c'est pas pressé. Daniel, j'en ai pris pour 2 semaines. D'accord. Au revoir. Dis donc, Marc, si ça l'embête, on aurait pu faire pour une semaine, ça suffisait. Ben Gérard, il faut pas lésiner pour la santé. Non, deux semaines de traitement, c'est certainement plus efficace qu'une semaine. Ça, c'est évident. Bon, allez, ne bouge plus, je reprends ton massage. La tête bien en arrière. Voilà, tu te détends. Voilà. C'est sûr qu'il faut masser, parce que c'est pas écrit dans le mode d'emploi. Je sais, mais c'est Gérard qui nous l'a dit. C'est une copine esthéticienne qui lui a donné le tuyau. Si t'en as assez de me masser, je peux me débrouiller toute seule. Mais non, j'ai pas dit ça, ça me dérange pas, mais je me demandais, c'est tout. Ouh, ça commence à tirer, moi. Pas toi? Si, un peu aussi. Vous êtes sûr que ça va marcher? Y a intérêt, parce qu'au prix où ça coûte, ça serait quand même malheureux. Bon, bah ça, on est bonne pour manger des pâtes pendant un moment. Enfin, si ça en vaut vraiment la peine. Tu sais, Magali, ce genre de choses, c'est comme la santé, faut pas lésiner. Je vais vous dire une bonne chose. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Si vous connaissiez ma tante Olga... Oh, toi, tu vas pas recommencer avec ta tante Olga. Bon, Magali... Oui? Tu veux pas venir me masser parce que j'ai l'impression que ça durcit, moi, là. Oui, j'arrive tout de suite. Enfin bon, ça se voyait pas, vos rides, hein. Ouais, maintenant, peut-être pas, mais plus tard. Aïe, doucement! Je lui dis, j'ai l'impression que ça durcit, là. Soit je te masse, soit je te masse pas, d'accord? Enfin, il y avait de la marge avant que ça soit catastrophique. Moi, oui, mais Claire... Oh, c'est malin, ça. Ricane. Ça se voit que tu connais pas ma tante Olga. Oh, puis toi, Magali, tu peux pas savoir, t'as une peau de brune. Tu sais pas ce que c'est que d'avoir une peau de blonde. Psst. Mais... Arrête de bouger.
Bon, ça commence à me tirer, moi, par là. Bon, écoutez, ça suffit maintenant. Vous êtes ridicule, là. Ben, rendez-vous dans un an ou deux. Quand ça t'arrivera à toi, on en reparlera. D'accord. Eh ben, laissons faire la nature. La nature, c'est la nature. Oui, la nature, c'est la nature. C'est pas une raison pour la subir. Non, il faut se battre pour repousser l'échéance. D'accord, battez-vous. Moi, j'en ai marre, je vais me laver les mains. Tu sais pas quoi? Il y a des moments, elle m'énerve, celle-là. T'inquiète pas, elle fait sa maligne. Parce qu'elle a 3 ans de moins que nous. Mais 3 ans, c'est vite passé. Tant qu'il n'a pas eu d'enfant. C'est pas ce que c'est. Bon, faut le garder encore combien de temps, ce truc-là, là? Une demi-heure. Oh, j'espère que ça va marcher, moi. Mais oui, c'est garanti, c'est Gérard. Ça te tire, toi, encore? Oui, mais c'est normal. Ça doit être la peau qui se retend. Ah. Salut. Salut. Marc, Madame Marini, n'a pas téléphoné? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas. Tu es sorti? Non. Mais le téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis ce matin. Moi, j'ai dans la salle de bain, occupé à enlever mon produit. Et tu n'as pas pensé à brancher le répondeur? Ah non, j'y ai pas pensé. Ah bon? Ah, c'est pas grave, tu la rappelleras. Non, 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 parce qu'elle sera pas chez elle avant demain matin, et c'est elle qui devait me téléphoner. Ben, si c'est important, elle te rappellera. Pas la peine de faire la tête pour ça. Ouais, c'est ça, bien sûr. Ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai monté, je vais déposer mes affaires dans ma chambre. Ah ben d'accord, ça t'intéresse pas. Quoi? Ben, les résultats de mon masque anti-rides, ça t'intéresse pas, c'est tout. Ah oui, j'avais oublié, excuse-moi, Marc. Alors, ça a marché? Regarde. Alors? Je vois rien. Comment ça, tu vois rien? Et là, qu'est-ce que tu vois? Ben, ton œil. Je me doute que tu vois mon deuil. J'espère même que t'en vois deux. Mais en dessous, tu vois rien? Non. T'es sûr? Oui. Tu vois pas 2 petites rides insidieuses qui me défigurent? Honnêtement, Marc, je ne vois pas tellement de différence. Par rapport à quoi? Ben, par rapport à d'habitude, quoi. Génial! Génial! Génial, c'est la preuve qu'elles ont disparu! Avoue que t'es surpris, hein. Tu t'y attendais pas. Marc, est-ce que tu crois vraiment que ce produit t'a enlevé tes rides? Évidemment, puisque ce matin j'en avais et que ce soir j'en ai plus. Mais c'est extraordinaire, c'est miraculeux. On devrait donner un prix Nobel au type qui a inventé ça. Oui, bien sûr. Non, mais t'imagines, ça fait des mois, des années, peut-être même des siècles que les hommes cherchent un moyen pour lutter contre le vieillissement. Et j'imagine que tout seul, un homme au fond de son laboratoire, avec son petit microscope, a trouvé ce produit miraculeux. Et l'humanité tout entière ne lui rend pas hommage. Mais c'est inadmissible. Tu trouves pas ça inadmissible, toi? Ah oui, oui, complètement, ouais. Tu dis ça pour me faire plaisir? Franchement, Marc, oui. C'est pas grave. L'important pour moi, c'est que mes rides ont disparu. T'as pensé à l'argent? Il faut que j'aille payer les produits, maintenant. Ah oui, l'argent. Tiens. Merci. Y'a tout? J'ai pas besoin de recompter? Non, 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 ça devrait aller. Je vais descendre l'argent à Gérard. Je me demande si j'aurais pas dû faire une semaine de traitement supplémentaire. C'est un peu granuleux, là, sous la main. Enfin, faisons des économies, 2 semaines de cure, c'est déjà suffisant. Bon, Marc, je n'ai rien dit. Hein. Oui, mais tu l'as pensé si fort que moi, je l'ai entendu. Pourtant, ça te ferait du bien, un petit traitement. Ça commence, là, autour des yeux. Puis c'est efficace, hein, regarde mon truc, là. Bon, ça gratte un peu, mais c'est efficace. Tu regardes? Non, mais... Marc! Ici, hein. Tu me trouves tellement beau que tu veux me prendre en photo, hein? Non, mais... Non, mais... Marc, qu'est-ce que tu as, là? Où? Elle n'a pas l'air de faire des miracles, cette crème. Bon, tu sais, faut peut-être attendre quelques jours avant d'avoir des résultats. Mais arrêtez de vous prendre la tête comme ça, c'est pas grave, des rides. Oh, toi, on va voir la tête que tu vas faire quand tu vas en avoir. Eh ben, j'aurai exactement la même tête et puis je connais la vie, moi. Ah, bonjour. Bonjour, Daniel. Bonjour. Je peux profiter de votre ascenseur? Oui, bien sûr. Merci. Daniel, comment va Marc?
Beaucoup mieux. Le médecin a dit que ce n'était qu'une réaction allergique. Ça devrait lui passer dans 2 ou 3 jours. Oh, mais ça me rassure. Non, c'est, je sais que j'étais drôlement inquiet, moi. Marc est malade? Non, c'est rien. C'est... Écoute, Daniel, on peut leur dire tout de même. Voilà, Marc a fait une terrible allergie aux produits antirides que je lui ai conseillé. Vous savez bien le petit paquet que je vous ai... Toujours est-il que son visage s'est recouvert de boutons, tout d'un coup, comme ça. Mais oui. Ah non, ça lui a pas réussi. Alors moi, j'ai culpabilisé tout de suite, tu penses? Enfin, Daniel, tu m'assures que Marc va mieux? Il va mieux, il va beaucoup mieux. Gérard, t'inquiète pas. Ah oui, mais... Marc met des produits antirides? Vous le connaissez. Brusquement, il s'est trouvé vieux, alors... Je demande bien pourquoi, d'ailleurs. C'est pas très joli, les rides. Pour un homme, ça va, mais enfin, pour une femme... Vous trouvez? Moi, je trouve que ça rajoute au charme. Ça fait plus femme, plus adulte, quoi. Ah oui? Vous trouvez? Oui, ça donne un petit éclat de plus au regard. Vous descendez? Ah oui, on descend. Après vous? Magali? Non, mais je vous rejoins, j'ai un truc à demander à Gérard. Très bien. À bientôt. Je vous rejoins, hein? Bon, qu'est-ce que vous allez me demander, ma chérie? Est-ce que tu connais un moyen pour faire pousser les rides?